Alors, qui dit nouvelle année dit nouveau mot de l'année. Alors, il y en a qui appellent ça des mots-clés, des mots forts, peu importe, OK? Le titre que vous lui donnez, moi, j'adore prendre le temps de m'intérioriser et de choisir un mot. Donc, un mot qui va vraiment donner une direction, un ton, une intention à l'année que je veux vivre et un mot qui va vraiment pouvoir s'appliquer dans toutes les sphères de votre vie, qui va pouvoir vous élever, qui va pouvoir vous motiver, qui va vous stimuler, qui va même vous exciter, OK? Et qui va faire en sorte que si jamais vous perdez le cap durant votre année, peu importe, hein, on sait c'est quoi être en affaires, c'est des montagnes russes. Et des fois, ben, on peut se retrouver dans le creux de la vague et se poser des questions. Eh bien, ce mot-là pourra ressurgir à ce moment-là pour venir vous réaligner, rebondir et vraiment poursuivre votre chemin. Alors, je vous invite à prendre un instant, il n'est pas trop tard, et de vraiment prendre le temps de voir s'il y avait un mot que vous voulez ressentir, que vous voulez vivre cette année, eh bien, ça serait lequel? Et on s'en reparlera au 31 décembre pour voir où vous êtes rendu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.